je vais vous présenter un livre qui m'a énormément plu quand je me suis retrouvé dans la galerie de Mola, dans la partie design. C'est un livre de Marie-Lou Faure, qui est une illustratrice française qui habite à Londres et qui a un style vraiment bien à elle, qui est reconnaissable par sa palette de couleurs, par son utilisation de formes vraiment très singulières, avec la représentation de femmes qui sont c'est vraiment le cœur de son projet. Les personnages font vraiment partie intégrante de son projet illustratif, avec vraiment des proportions singulières. Et on a vraiment une place pour la femme qui est vraiment très importante pour l'artiste. C'est dans l'intention de vraiment de montrer que la femme est forte, la femme a vraiment la capacité de montrer sa créativité. Depuis ces 3-4 dernières années, donc on a vraiment une mise en avant de son travail pour des marques, donc c'est des collaborations, on l'a appelé justement pour cela. On y retrouve son travail qu'elle a pu réaliser pour Spotify, pour Nike, pour Samsung. Donc c'est quelqu'un qui vraiment va toucher différentes disciplines, différents secteurs. Ça peut être du culturel comme une entreprise tout à fait classique, mais les gens vraiment l'appellent pour sa patte graphique qui est vraiment bien à elle. Moi, quand j'ai trouvé son travail, que j'ai vraiment connu ce qu'elle faisait, c'est je me promenais dans Londres et je me suis retrouvé devant une mini fresque et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son travail. Et donc, c'est vraiment un plaisir de se dire qu'on peut retrouver à Bordeaux, à Mola, un livre d'une artiste qui vit à Londres et qui va pouvoir être édité dans toute l'Europe. L'art qu'elle évoque dans son livre peut nous toucher à tous. Donc je trouve que c'est une cause qui est très noble de mettre en avant la femme, donc son projet qui est The Female Body, où elle explique justement toute sa démarche derrière ce travail-là. Donc l'image qu'elle crée n'est pas juste une image. On a tout un message dans une image qui est simple. C'est ça que je trouve super intéressant dans l'illustration, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une accumulation d'images pour représenter quelque chose. En un, allez, deux, trois traits, on a un message porteur qui est vraiment évocateur d'un sujet qui est très important à présent. Et donc c'est, pour étant étudiant dans ce travail-là en dernière année à l'ECV, ça permet de comprendre aussi toute cette mécanique de création.